Bah c'est marrant ça alors. Comme vous le voyez en haut, on voit donc 13 millions environ. Une minute après, 14 millions. Et 2 heures après, 11 millions pour Marine Le Pen, qui perd donc plus de 2 millions de voix. Et 2 heures après, Macron perd 268 000 voix. C'est-à-dire qu'en 2 heures, elle a perdu 2 millions. Et lui, dimanche, à midi, il dit que Marine va faire 42% et Macron 58%. De où savait-il ça? Et là, maintenant, nous avons les résultats à minuit 12 pour 12 millions pour Marine. En 4 heures, elle n'a rien gagné. Et lui, enfin la BFM, qui passe, Emmanuel Macron a eu ce samedi soir au téléphone Vladimir Zelensky qu'il félicite. Samedi. Et enfin, France 2 qui nous répond, suite à toutes les vidéos que nous avons faites et qui ont fait le tour du net, comme quoi c'était un bug informatique. Prenez-nous pour des cons. Et là voilà, hein, minuit 12, 12 millions. Hein. Et lui, 16 millions, Macron. Qui pendant la nuit, a pris 2 millions. Là, nous avons, il est 20 h à ce moment-là. Égalité presque parfaite. Et vous voyez à votre droite, 58, 41. Une égalité, ça fait 50-50. À part ça, c'est que des bugs. Et là, ce matin, ou du moins cet après-midi, Emmanuel Macron a gagné 2 millions de voix de plus, 18 millions d'un coup. Et nous avons la réponse de BFM, qui avait publié à 18 h 30 les résultats parfaits, 42-58, à 18 h 30, et il s'excuse. Je vous laisse lire. C'est du gros foutage de gueule. Hein. Une erreur. Hein. C'est une erreur. Il y en a eu énormément aujourd'hui pour ce scrutin. Bizarre, bizarre.